Aujourd'hui, on va faire une petite recette de la mer. Un petit thon au gingembre façon burger. On a besoin de gingembre, un avocat. Avocat, gingembre, échalote. 300 g de thon. De l'ail. Une cuillère à soupe. Et je vais couper en morceaux. Un morceau un peu grossier. Une fois que j'ai mis les morceaux de thon, je vais presser l'ail. Je vais mettre du gingembre que j'ai épluché. Et que je coupe en petits morceaux aussi. Du poivre. Un peu de moutarde. Je vais mettre quelques baies roses. Comme c'est très friable, ça va se mélanger très facilement. Un peu de gros sel. Nous allons pulser. Nous allons voir à quoi ça ressemble. On va pulser encore un peu. Ça me semble pas mal. Donc voilà, nous avons une espèce de purée de chair de thon. Avec laquelle nous allons reconstituer des steaks que nous allons laisser reposer toute la nuit. Voilà. Je vais les mettre dans une petite boîte. Ça, c'est surtout pour leur permettre de garder une forme et une identité. Voilà, et une fois que c'est bien emballé, comme ça, bien hermétique et bien épicé, au frigo, jusqu'à demain. Les steaks sont fin prêts à être dévorés. Donc on va les sortir du frigo pour les laisser se remettre à température ambiante. Entre temps, je vais faire cuire les petits pains. Pendant que les pains cuisent, on va couper les échalotes que je vais faire revenir à part. Je vais en prendre 3. 3 pour 2 hamburgers. Oui, il faut de l'huile pour faire revenir des échalotes. Mettre un peu de sel. Donc ça, c'est bon. Bah là, on va faire cuire les steaks de thon. Moi, j'aime bien les mettre dans une petite boîte toute serrée, comme ça, ils sont bien compacts. Il faudra pas beaucoup pour les faire cuire. Voilà. Voilà, pour éviter qu'ils ne cuisent trop, je vais les sortir sur une assiette. De pain. Oui. Je vais parsemer avec des graines de sésame. Et arroser de sauce soja. Un petit peu d'échalote. On va garder pour mettre sur le thon aussi. On va lui mettre les petits steaks de thon. Une feuille de roquette à côté. Un peu d'échalote. Un tour de moulin sur le tout. De sauce soja. Et maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et un bon anniversaire à Cuisine TV.